n'a salué la famille haïtienne dans nos bon Dieu. Lorsque nous dit la famille haïtienne, nous voulons dire tout haïtien indistinctement de couleur de peau, de foi religieuse, de appartenance politique, et même si pas de chance faite sous terre sacrée, ça qui c'était pays d'Haïti, dès que vous avez un haïtien, c'est haïtien. Non pas moins, c'est Kelly Woodney Corner, moi c'est un écrivain, un chercheur dans la cause de l'histoire, un entrepreneur et un homme de Dieu. Je vais encourager tout le monde pour suivre moi sur les réseaux sociaux, le travail que je fais, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, ce n'est pas moi qui c'est Kelly Woodney Corner. Kelly K-E-2-L-Y, Woodney R-O-D-N-E-Y, Corner C-O-R-N-E-T. Justement, émission ça qui relève l'évangile développement, il est là pour les former les gens spirituellement, pour les former les gens intellectuellement et surtout pour les former les gens civiquement. Malheureusement, selon le constat que nous faisons, l'organe aux États-Unis, chrétien américain lui-même impliqué dans la communauté, chrétien dominicain, chrétien français lui impliqué dans la communauté, malheureusement, chrétien haïtien lui-même, majorité chrétien haïtien, ils n'ont pas voulu impliquer dans la communauté. Ça vient de faire que le fait que y ait manque d'implication dans la communauté, ça vient de faire que le pays est dans l'état sacré. C'est pour raison ça, nous toujours. Prend temps pour moi dire nous l'important pour nous servir bon Dieu pour nous suivre Christ mais toujours songer que nous sommes des haïtiens chrétiens l'important pour nous impliquer dans la communauté dans cette émission ça l'évangile développement si vous avez des questions si vous avez des suggestions si vous avez des demandes de prière si vous voulez ta supporter émission ça économiquement et en plus tout si vous avez un business ou tu as un staff émission l'évangile développement ba ou visibilité pour capable augmenter chiffre d'affaires pour capable augmenter et quantité comme vous faites dans ce cas contactez nous sur 44 66 00 91 44 66 00 91 pour nous capable et permettre une visibilité pour nous capable faire moun, plus monde connaît business one jodi à la dans cette émission là nous allons parler de un sujet d'une importance extrême et comme nous connaissons que très bientôt moment spécial ça qui c'est 14 août côté yo te fait congrès chita parler et rencontre dans bois caïman nous a fonti parler de ça et ça qui est intéressant m'a dit nous ça 14 août ça c'est un moment qui est extrêmement important dans l'histoire pays d'Haïti. Li important en pile dans l'histoire peuple noir et li important en pile dans question ça relie l'histoire droit moun. C'est pour raison ça jodi a nous pas le fond ti parler de ça. Malheureusement, ou connaît yo diaboliser bois caïman et pourtant bois caïman pas rien qu'un rapport avec diable Jean le fort comprendre. Mais c'est plutôt un complot que yo fait pour yo capable diaboliser, capable venir bel événement ça. Côté des noirs esclaves te décidé à chita à parler à rencontrer à planifier pour capable sortir dans l'esclavage pour capable prendre destin en main et capable sortir dans l'esclavage et l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité et m'a expliqué nous ça 14 août c'est un moment spécial non seulement une date spéciale pour peuple haïtien pour peuple noir mais tout l'important dans question droit monde mais actuellement là Haïti a vécu un moment extrêmement difficile. Mais il y a une raison qui fait que nous-mêmes haïtiens n'a vécu un moment dur ça, c'est parce que nous-mêmes nous pas prend leçon dans l'histoire. Parce que ça ce qu'a fait là actuellement là en Haïti, c'est des séries de bagages qui étaient faites déjà sous une forme ou soit sous une autre forme. Si nous-mêmes nous te prend leçon dans l'histoire, dans mes générales histoire, c'est sûr que nous tape contre comment, nous tape contre ça pour nous faire pour ne pas retourner faire même erreur ça parce que gon poto garçon qui dit que un monde un peuple qui ignore l'histoire li condamné pour le faire pour le refaire même erreur ça mais on nous fait parler congrès rencontre et rumblé bad bouche ti bad bouche planification tout ça sont ensemble de thèmes pour capable utiliser pour question 14 août à dans bois caïman et c'était dans habitation normal le Mézi dans bois caïman mais malheureusement il y a des monde qui voulait faire comprendre que c'est parce que Bookman c'est ton imam etc. Et ça te fait le bois caïman non c'est pas du tout ça parce que il y a d'autres sources que nous jeunes qu'on capable faire confiance qui fait connaître que
mot bois iman li sorti plutôt nan non Cécile Fatiman. Cécile Fatiman c'était une capable d'ou une leader qui était organisé rencontre ça lui même à Bookman il était fait partie de deux leaders qui étaient plus importants yo nan organiser activité ça. Et puis maintenant tout ça même gens était connu les feu président Jovenel Jojo yo le président Aristide Titide, c'est même gens tout gain d'essayer de l'orga de Cécile Fatiman, yo te bal ti non parle tout c'est immense. Li vinn fè bwa la kay immense, mais pou pi simple yo vinn fè bwa ka immense. Ça veut dire que question que c'est Bookman qui c'est ton imam li te gain et rapport et te imam ça fait le bwa ka imam, non c'est pas vrai, pas gain ken rapport avec bwa ka imam, mais c'est plutôt bwa ka Cécile Fatiman ou bwa ka immense. Gen moun ki même dit inan. Mais c'est bois la caïman ou bois caïman. Et on nous continue. Bois caïman, ce n'est pas pour plaisir que les ancêtres nous ont fait. Ce n'est pas ton côté pour aller pour aller by blague. Mais c'est plutôt, ils n'ont pas de capable encore avec système esclavagiste, ça, un système qui fait comprendre que le monde blanc supérieur à l'autre monde qui. L'autre monde soit un jaune, un noir, ils font comprendre que blanc supérieur à lui-même. Et à cause que yo pas capable supporter encore un bas esclavage là, eh bien les ancêtres ont décidé à chit à l'un côté à planifier comment pour faire pour capable prendre destin en main et en plus tout pour capable sortir en bas esclavage qui est considéré comme un crime contre l'humanité. Ma fait nous connaît que bois caïman raconte ça, il était fait contre colon yo. Et à l'époque nous connaît que la France avec l'église catholique c'était quoi contact Figaro. Ça veut dire que prêtre tout est gain esclave, prêtre tout est gain intérêt yo dans machine ça, dans système esclavagiste là côté y a fait exploitation de l'homme par l'homme. Ça veut dire que comme bois caïman c'est contre la France et contre l'église catholique qui ont fait au lendemain de l'indépendance, la France avec l'église catholique décidé pour venir pour parler bois caïman mal. Mais bonne différence entre quelque chose qui est diabolique et quelque chose qu'on a diabolisé. Bois caïman n'a rien à voir avec le diable, mais malheureusement bois caïman a été diabolisé. Il a diabolisé pour une raison stratégique. Pour qui ça? Parce que yo pas voulu l'autre monde noir al font rencontre encore tant que bois caïman, peut-être le cas décourager monde al font bagarre comme ça, il a décidé diaboliser. Mais pour capable comprendre importance rencontre ça. Mais après, le monde veut comprendre que liberté et indépendance, c'était le fruit du hasard. Mais ce n'est pas le fruit du hasard pour qui ça? Parce que était bien planifié. Pour capable bien comprendre l'importance de rencontre ça, il faut avoir une idée de ça qui était l'esclavage. Et bien justement, dans ce Moyen-Âge, là nous disons dans ce Moyen-Âge, nous parlons de l'année 1400. Il n'y a pas de bon en Europe. Il y a une épidémie. Te gen grand goût et te gen mauvaise récolte et ça qui dû à tout européen une te pou ma plot pour capable bien comprendre ça qui t'a passé. Un bon exemple bien c'est non kay qui gen 7 timoun et parents yo pauvre gen difficulté pour parents yo ba yo manger. C'est sûr que timoun ça le fait que manquer manger gen des moments qu'a privé timoun ça quand même goût mais petit cason j'ai gagné et bien c'est même ça qui te passe en Europe. Parce toujours songer que l'Europe c'est un continent qui manque ressources. Il manque de ressources. Et le fait que le manque de ressources, si quantité de ressources qui gagne, les Européens ont goûté une acclote pour lui. Et bien, quand moment vient arriver côté portugais, ils dit ah, au lieu de plein de goûts là pour tirer sur ressources qui gagne, on a regardé ça qui a passé dans l'autre continent, dans l'autre pays. Et bien, justement, ils ont fait projet pour y aller en Afrique, pour y aller voler, pour y aller déchirer, pour y aller kidnapper, pour y aller tuer. Mais justement, pas oublier à l'époque ça, l'Église catholique c'était responsable ça les droits internationaux. Ça veut dire que quand essaie de bagarre leur besoin fait, c'est l'Église catholique qui pour légitimer le pour. Ça au Portugal l'a fait, là le côté pape là, m'a toujours dit nous ça. Le pape et pape l'Église catholique là, l'Église catholique apostolique maintenant, il à la fois un chef religieux et à la fois tout un chef d'État. Pour nous bien comprendre, le président d'un pays sorti une décision, il y a le décret. Mais les papes là sorti prennent une décision que le publier,
y aurait les bulles papales. Et bien dans ce cas, pape là te décidé légitimer ça que européen ont te pral faire en Afrique là. Et si ou gardez ou faites une recherche ou lire ensemble de livres ou quand même aller sur internet là, tu capable taper Romanus Pontifex ou après ces bulles papales ça côté pape là te sorti côté pape là te publié pour te capable légitimer l'esclavage des noirs et par les européens. Et dans bulle papale ça, li ba européen yo, premièrement, dans un premier temps, ou al gen Portugal, dans un second temps, ou al gen espagnol yo, après au bon moment qu'après ou al gen tout européen yo. À travers bulle papale ça, yo ba européen yo droit, yo gen droit pour y aller voler tout ça qui en Afrique, déchapiller et mettre en esclavage à perpétuité tout africain. Ça m'a dit là, c'est pas vous monter. Mais c'est des séries de bagages qui sont bien documentés, automatiquement ouvrez vérifier, gain des livres qu'on capable lire et en plus tout capable soit sur Google ou taper Romanus Pontifex ou soit taper bulle papale l'esclavage des noirs y a bossa. On nous continue. Mais permettez-moi de dire ça. Gain de bagages que nous devons comprendre. Nous devons comprendre ça la traite des noirs qui est et al kidnapper noir yo al vendre yo en Amérique, c'est ça le commerce là, commerce des noirs ou la traite des noirs, gagner l'esclavage des noirs. On nous font parler tout petit de la traite des noirs. La traite des noirs là qui s'allie c'est européen yo calé en Afrique avec zam fan fwa, cal kidnapper africain. M'a rappelé nous encore une fois que il n'y avait pas d'esclaves en Afrique, il y avait des hommes libres en Afrique. Mais européen yo même ça yo fait yo la gros zam fan fwa. Il y a l'autre boy, il y a le kidnappé africain. Et pour capable bien comprendre, la traite des noirs là, et le commerce des noirs là, il y a trois étapes. Avant que je commence à parler de l'étape ça, permettez-moi de dire ça, il y a une série de choses que nous avons attendues en Haïti ou depuis la Guinée-Nègre. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une série de choses que les colons inventé pour être capable de faire noyau, non seulement pour être capable de diviser noyau, mais pour être capable de faire noyau qu'on est que frère là c'est ennemi, les putains menti. Et ils disent comme ça que c'est blanc, yo, européen, yo, c'est acheté, yo, t'as acheté esclave. Et ça fait tout un concept que ont inventé, yo, le commerce triangulaire. Mais avant de donner plus d'explication de ça, permettez-moi de nous dire qui est très simple et important. Lorsque européen a parlé, les deux mots moi un double sens, les gon sens. Pour ou même noir captain de là, li gon sens pour lui. Les colons, les européens du commerce triangulaire, li vle fò comprendre que li te sorti en Europe, côté li allé, li prend quelques marchandises, là en Afrique, là le vend yo, et puis Africain yo vend yo esclave, et puis yo prend esclave ça, y a le vend yo en Amérique. Mais pourtant, commerce triangulaire, ça, yo vle fò comprendre ça, et pourtant, c'est pas vrai. Pas de gain commerce triangulaire vraiment vrai. C'est plutôt déchapillage triangulaire. Bon, mais c'est que nous bagailles. Les colons, les mêmes, par exemple, une fois en Afrique, là, ils kidnappent les gens. Et puis, l'elfin kidnappé, ils prennent, ils mettent dans le bâtiment, ils vendent en Amérique. Mais, ils font comprendre que c'est noir qui vend noir. Et pourtant, si, qui ça nous doit comprendre? Ils veulent faire tout comprendre tout que c'est noir qui est responsable de commerce ça parce que c'est noir qui vend frère. Et pourtant, si. Mais rappelez-nous encore une fois, il n'y avait pas d'esclaves en Afrique, il y avait des hommes libres. Pour nous capables de bien comprendre des séries de bagages, bon exemple simple. Nous tout à fait d'accord que tu gagné des noirs qui t'ont participé volontairement ou involontairement dans la traite des noirs et l'esclavage des noirs. Mais le gros dans sa responsabilité a, c'est européen qui est responsable de ça. Ben monsieur que nous bagages. Pour nous capables de bien comprendre ça, me fait nous ça me dit nous. Pour nous capables de bien comprendre un pour exemple, côté dans la Deuxième Guerre mondiale, là, l'Allemagne était décidée d'envahir l'Afrique. Et là que l'envahisseur allemand a occupé la France, mais il y a des Français oui, qui ont participé, qui ont collaboré ensemble avec l'Allemand. Mais le fait que tu aies des Français qui ont collaboré avec allemand pendant l'occupation et de l'Allemagne par la France. Mais ça ne veut pas dire que c'est la France qui est responsable de l'occupation, non. Le monde qui est responsable de l'occupation, c'est l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Et bien c'est même gens tout. C'est même bagarre à tout.
Vrai responsable là, c'est européen, parce que pas de gens ont Afrique qui t'écrit un européen pour dire qu'il y a un esclave pour le vendre. Mais justement, il y a en Afrique, il y a le déchet pillé, il y a le kidnappé mounio, il y a le kidnappé noir. Mais il y a des Africains, tout, des noirs qui ont collaboré avec eux, mais ça ne veut pas dire que c'est noir qui est responsable de ça. Est-ce qu'on l'a dit? Eh bien, pour nous capables de bien comprendre, on nous garde trois thèmes. Dans la traite des noirs, il y a trois thèmes qui sont importants pour connaître. Premièrement, il y a la chasse là. Les Européens viennent avec gros enfants de froid, li aller en Afrique, là le kidnapper africain yo, là chasser au même genre yo chasson bête sauvage. Parce que yo était considéré noir, le fait que yo gen couleur noir là, yo se considéré comme bête, yo était considéré comme moins que moun, yo était dit yo gen un quart d'humanité. Yal chasser autant que chasser bête sauvage. Mais noir yo pas d'accord pour yo kidnapper, était kidnapper comme ça. Yo était préféré mourir au lieu pour yo quitter yo prend yo pour y aller voyer en Amérique. Et selon estimation de ces experts, de ces historiens, de ces de monde qui fait études dans le domaine, ils ont estimé que il y a environ 50% dans monde ça yo que ont kidnappé yo qui étaient mouri lors de la bataille. Et on a continué toujours. Et première étape là, c'est la chasse. Deuxième étape là, c'est dépôt. Songez que européens ont fait ça ne capable briller d'essayer de prison bon la mer pour capable mettez noir ça yo que ce kidnappé pas oublier tout te gon bateau qui était les négriers qui était là pour te transporter noir yo mais bateau négrier ça qui ça te gagné il pas venir même joie ou connait bateau négrier a te gagné pour faire tout côte là toute zone là mais pour la prendre noir yo et bien ce cas prison ça yo te relé au dépôt mais ça qui t'est passé yo te remarqué que gon quantité noir qui t'est blessé qui pas de soin. En pile là yo té mouri. Gon quantité de noir tout qui t'a essayé faire lever campé dans dépôt dans prison ça yo. Gen là dedans té mouri. Yo selon estimation yo gen environ 25% nan yo qui té mouri dans dépôt. Troisième étape là qui ça lié c'est la traversée. Traversée à qui ça lié c'est moment côté yo vinn prend noir yo prend bateau négrier côté yo prend noir yo meté en bas calbatiment. M'a fait nous connaître que colons yo européens yo té ba bateau sa yo surtout des noms qui tiré de la Bible. Gen bateau sa yo qui c'est bateau négrier que européens ont relé yo Saint Joseph, Saint Paul, Saint François et gen un bateau négrier que européens ont même relé bateau négrier ça Jesus the Good Ship. On est capable de dire en bon français Jésus le bon bateau négrier. Ça veut dire que colons européens ont quand même prendre des noms de la Bible yo ba bateau négrier par exemple gen bateau négrier qui était même relé Jésus le bon bateau négrier tout ça m'a dit là c'est pas vrai monter c'est des choses qui bien documentées mais qui ça nous doit comprendre que voyage là lui-même il pourra durer 2 ou 3 mois ça va dépendre de conditions temps ça va dépendre de qualité bateau. Et yo fait konnen que cet espace tellement petit pas blé tout européen dans l'idée pour faire plus bénéfice dans l'idée pour faire plus profit dès qu'on mettait en bas cal bâtiment ça yo dès qu'on mettait 4 fois plus 5 fois plus de monde que le capable prendre et moun yo était toujours couché accroupi coincé et comme si j'étais mettait une sous l'autre entassé tant que ça dit et yo fait nous comprendre que gen des fois tout nan pendant yo nan traverser yo nan bateau a kon gen mauvais temps pour alléger bateau a colon ça yo fait européen ça yo fait yo prend une quantité africain à toute chaîne nan pied yo la gay yo nan la mer et puis pour rien manger et qui ça nous doit connaître tout selon des sources historiques moun sa yo non seulement yo pas manger yo pas vraiment jeune manger et en plus tout gen des gen pile mesdames ça tout pas de possibilité pour te faire toilette intime pour te ça en Haïti qu'on les toilettes de bas pour mesdames l'on fait 2 mois 3 mois en bon cal bâtiment par hasard si vous songez vous quelque bleu là mais sous et que vous parle en tant que fille ou pas de possibilité pour faire toilette intime et même côté ou coupi assez même là ou toilette et bien dans ce cas ou de connaître que
et ça fait tout yotere les bâtonnets grillés, l'enfer sur terre, ou soit l'enfer sur mer. C'est une façon pour nous montrer nous, que l'esclavage, la traite des Noirs, ce n'est pas de bagaille qui était douce. Et après 2-3 mois, yo fait sous la mer, yo arrivé en Amérique. Et m'a fait nous connaître que Kwabosal que nous connaissons là, c'est une premier côté en Amérique, côté où t'as le vent de moun. Où t'as le fait commerce moun. C'est ça de fait. M'a dit nous ça. L'état important pour nous en tant que Haïtiens, pour nous bas, Kwabosal valeur et importance. L'état important que yo t'as fait un musée à ciel ouvert avec Kwabosal. Pour qui ça? Parce que pour tout noir dans le monde, pour dépousser moun et que ou ap goumen ou ap goumen pour doa moun, ou te doit une fois dans vie ou vin Kwabosal. Et l'état vraiment important pour ta fon musée, non seulement pour fon musée mais pour ta fè sa yole yon bâton négrier grandeur nature côté moun yo te capable à regarder gon idée de comment bagala te kon fait. Parce que m'a dit nous ça, c'est vrai que nous même en Haïti histoire ça c'est ancêtres nous fèl. Mais l'histoire, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour le peuple noir, mais pour tout le monde dans le monde. Parce que ça nous fait, non seulement une portée nationale, mais une portée internationale. Quand nous sommes parlé de la traite des noirs, ça a le commerce, vendre, acheter, vendre, mais quand nous parlons parlé de ça, l'esclavage des noirs. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons connaître que, les que nous prenons arriver en Amérique avec yo dérivé Kwabosal avec yo yo propre yo et nettoyé yo et puis yo pesé yo et puis y'a l'exposé yo pour moun capable vinn acheter. Qui ça nous doit comprendre? Les colons blancs vini li vinn acheter nan tête son marchandise vinn acheter. Le fait que son marchandise vinn acheter ça lui même li fait li tate noir qui té garçon qui té fille et gen même yo même dou ça gen des colons même nan tate noir qui té kon même foué droite nan derrière sujet ça m'a dit ah oui mais justement m'connais ça m'di a cru mais émission ça li là pour former nous tous c'est former n'a former nous pas ka cacher nos vérités yo té kon même foué droite nan derrière noir yo qui té garçon qui té fille parce que on connaît colon li même derrière c'est de mauvaise manie que le té gagne et là yo fin acheter noir yo nan Kwabosal. Il y a le mené dans la plantation. Je vais vous connaître que il y a trois types d'esclaves. Il y a esclave à talent qui a exercé son métier. Il y a esclave domestique qui a travaillé dans la là. Il y a esclave jardin, c'est eux-mêmes qui passent plus misère. Les colons arrivés avec nous dans l'habitation, ils ont des outils juridiques. C'est ça qui fait tout. Ce n'est pas tout bagage qui est légal qui est juste. L'esclavage était légal, mais l'esclavage n'était pas juste. C'est parce que vous votez une loi ou bagage légal qui fait juste. Et qui ça nous doit connaître? Selon le code noir, dans l'article 44, il te fait connaître que nèg noya, gars moun noir, c'est un bien meublé. Au même titre que une cabane, que une chaise, que une table. Ça veut dire que même Jean Colomb lui-même, il t'a levé matin, il a une chaise qui prend pinaise, il décide de craser chaise là ou soit bouler chaise là, il t'a même droit ça sous esclave là, sous noir que tu fait esclave là. Pour qui ça? Parce que selon le code noir, c'était bien lité. Ma fait nous connaît que et noir vin esclave, c'est l'arrivée en Amérique. Mais l'elle en Afrique, il pas d'esclave. Tout du temps que li pa traversé la mer sous bateau, elle était captif. Mais automatiquement, li vin en Amérique, il pas captif encore, li vin changer statut, devenu esclave kounya. Mais code noir fait connait que esclave là sont bien meubles que lié. Mais tout bon bagage que nous devons connaître. Esclave noir là, il était bourriqué du matin jusqu'au soir. Et il y a des sources qui fait qu'on est que dans le moment de récolte, noir là était comme bourriqué 20 heures de temps sur 24. Après rappelons-nous que noir là lui-même il était bourriqué du matin jusqu'au soir et dans le moment de récolte, il était bourriqué 20 heures sur 24. N'a continuer. Et qui ça y a te compte bas ancêtre nous manger? Les ancêtres nous ça y a te compte bas manger 2-3 patates à l'eau frette. Et 2-3 patates à l'eau frette ça que y a bon manger là. Si par exemple, si ça manger elle pas suffit pour. Parce qu'on a travaillé du matin jusqu'au soir, elle pas suffit. Vous avez pour un petit force. Vous avez pour un petit force pour capable continuer et bourriquer. Par exemple,
tant ça ou même moi produire sous ta décidé à promotion quand ça manger ou t'as quitté colon kembo colon à pompence les racheter tout dans la bouche. Cela veut dire que ou capable bourriquer comme esclave pour produire quand non mais on pas qu'à manger. Mais on nous continue comment ça se fait que on habillé là était dans champ quand en tant que esclave yo te kon met un rayon que te kon sou yo c'est rayon que te kon sou yo et si moun nan ki se noir la ti noir la moun noir la ki fait petite là automatiquement gon certain que ti moun nan ye li couri tout nu sans rad dans habitation mais lèl commencé gon certain magie que il commencé gen plume et cetera bay sa yo yo bal un moso rayon juste pour ka couvrir ti pati et n'a continuer toujours gagne article 38 là qui te fait connait que dès que un noir li marron yo doit depuis yo kembo ya couper oreille première fois deuxième fois marron ya couper jarret troisième fois marron ya touyo ça veut dire que selon article 38 là il dit que ou même qui noir quitte au soucé ou quitte au déchet ou en esclavage si ou ta manqué décidé ou sans tout pas capable encore décidé al marron décidé sauver dans plantation et eh bien dans ce cas code noir fait obligation sous troisième sauve sauver après tout. Ça veut dire que selon l'article 38 c'est quitter au privé, c'est quitter au soucé. Mais m'a fait nous connaître tout. À l'époque l'église catholique était surtout joué un rôle pour capable faire noir là accepter situation d'esclave là. Ça veut dire que yo te servi avec et avec par organiser de parole dans la Bible. Par la Bible, yo pour être capable lolo esclave là pour être capable là pour faire l'accepter situation que côté il y a que c'est bon Dieu qui veut esclave, c'est bon Dieu qui c'est accepter situation côté il y a. Souvent que goumen pour retirer tête ou esclavage là, bon Dieu a puni on. Son quantité de l'autre bagarre toujours. Ça veut dire que si c'est pas question l'évangile ça ne capable brûler l'évangile colonial là. Et son âme l'autre, la grande différence, la vraie évangile de Jésus et l'évangile colonial là. Avec l'évangile colonial là, c'est l'évangile colonial là qui te permet que ce qui te fait esclave là, il fait esclave là pour lui encourager esclave là, accepter situation côté lui. Si c'est pas l'évangile colonial là, bien longtemps, longtemps, esclave noir, il était bien sorti en bas esclavage là. Mais justement, il servait à l'évangile colonial là pour faire noir accepter situation là, pour faire comprendre que si vous souffrez, si vous êtes esclave, c'est bon Dieu qui veut ça. Et bon émission que vous me faites là pour me parler nous en plus en profondeur de ça. Et même colon yo bon moment était arrivé était venu faire une bible que relé de Slave Bible. Ça relé la bible de l'esclave. Nous pour me faire ça expliquer plus de ça dans une prochaine émission. Et on nous continue toujours. Mais qui ça était qu'on fait? Pour critique yo te bat esclave là. Et ça fait toujours dire m'a profiter dit nous ça mes amis. Bon mot surtout monsieur m'a tout ben nous conseil ça ou même qui gagne madame moi l'on fin fait sexe avec madame moi ou fin fait l'amour avec madame Mario m'a encourager pas me dit que c'est taille ou sous taille madame excusez-moi parce que terme mot taille a li gon signification qui mélange avec un pile violence dans époque esclavage lorsque tu taille un esclave ça tu fait yo te prend esclave tu mettre tout nu yo marié tout nu. Et puis, qui s'est passé? Bon fouet spécial qui a point de fait, point de fait, point de clou dans le point là. Et puis, qui chauffe dans du feu. Et puis, chaque coup de fouet que bah, est noir là, et bien, dans ce cas, qui s'est passé? Et bien, Paul te pisse sang. Excusez-moi pour mon pisse. Mais pour capable exprimer l'idée, ça, c'est pisse à capable utiliser. Li Paul pisse sang. Et ça que te dit à Colombat, qu'on balle 2-3 coups de fouet. C'est des centaines de coups de fouet. Et là, il y a fini par des centaines de coups de fouet. Et il y a réuni tout esclave pour être capable de venir assister, pour être capable de venir garder ça et faire ou même. Juste parce que vous avez fait un bagage qui n'a pas fait que l'on plaisir, décide de tailler. Vous avez dit que batou pour et batou fond tout pour vous s'en sortir. Gagné un prêtre catholique qui était le père là-bas. Tout historien ou était chapeau bas devant monsieur comme un expert dans le conseil comment pour maspiner esclave noir. Et à l'époque, même prêtre catholique était esclave. Et même prêtre catholique était contre battre esclave. Tout pour ça. Parce que selon prêtre catholique, il était fait connaître que le fait que noir, là, lui-même, lui noir, lui a un quart d'humanité. Lui pas moun. Et bien, dans ce cas, lui moins qu'on bête ou capable de traiter autant que j'en voulais.
Pè la ba ki son eksper nan bay konsey koman pou maspine zansèp nou, koman pou maspine esklav noa. Te di lò fin taye ou esklav, sa ve di ki lò fin bat esklav la, mou fwet ou fwet tout polpise san net net net. Ki sa ou fè? Se pou pren yon likid pou mette sel, pou mette piment, pou mette citron la dan, epi pou benyen esklav la. Il di pou de rezon. Premier rezon, ou pa bezwen peye yon bourreau pou ba esklav la, yon lot baton toujou. E deuxièmement tout, esclave là a kage rapide pour retourner en habitation al travail. Ma rappelle nous que à l'époque et bat esclave c'était un travail que le parce que tu kon paye bourreau pour faire ça. Ça veut dire que couper zo esclave là te bon prix. Couper langue esclave te bon prix, tuer esclave te bon prix, couper jarret te bon prix. Ça veut dire que faut nous comprendre que à l'époque la France avec l'église catholique, c'était cocotte ak figaro dans affaire esclavage. N'a continue toujours. Mais à l'époque, yo te considéré noir comme des fois moins comme un bête. En pour exemple, simple si deux noirs fait un petit un garçon à profit, selon code noir la petite là pral pour et mettre maman esclave pour ça. Le fait que yo concevoir et noir ta comme un bête, ben pour exemple simple, en pour exemple c'est ou maman cabrit et puis l'autre monde n'a un mal cabrit. Et ben si maman cabrit ça, femelle cabrit ça avec mal cabrit ça rencontré et dans ce cas femelle cabrit ça qui vient faire petite là il parle pour mettre maman cabrit là et bien c'est dans même l'idée ça que colon était concevoir noir petite là parle pour mettre maman esclave là et bien comme on connaît que chaque fois une femme noire fait petite c'était augmenter le parle augmenter quantité esclave quantité cheptel humain que colon était gain ça fait mesdames nous très souvent était qu'on avorté non seulement yo avorté. Mais vous avez fait l'autre bagaille, tout le monde qui a réussi à faire tout, dans ce cas, vous avez tué. Comment vous avez fait? Vous avez pris un piquant orange fouet dans le monde pour vous tuer. Pour qui ça? Pour, premièrement, pour ne pas quitter le monde, ça vient passer la misère même avec vous dans l'enfer. Et deuxièmement, tout, pour ne pas venir augmenter la quantité de bien que l'on a gagné. Parce que chaque esclave, chaque noir que l'on a gagné, c'est un coup, c'est une richesse qui est augmentée. On continue, on nous fait parler. Je vais expliquer nous, mesdames, nous avons fait avortement. Au soir, les gens qui ont réussi à faire une fête, ils ont fait prendre un piquant orange pour fourrer notre tête, pour nous tuer, pour ne pas passer la misère. Mais justement, avant que nous continuions avec l'émission, nous avons que nous avons une rubrique dans quatre émissions que nous mettons pour encourager Frère Action à faire fort. Dès que vous avez un business, ou tu as aimé que staff émission l'Évangile Développement, ba ou visibilité, contactez-nous sur 44-66-00-41, 44-66-00-41, pour nous capables de bonne visibilité, pour capable augmenter le chiffre d'affaires. Et nous gagnons, par exemple, tout le monde, si vous avez besoin d'acheter des sandales en cuir, ou besoin d'acheter l'huile mascretti qui sont bon bagaille, dans ce cas, contactez Jenny dans le numéro ça, 514-975-72-47, 514-975-72-47, contactez Jenny dans le numéro ça. Et surtout, n'a encouragé surtout mon Canada, envahir Jenny pour capable jouer une bonne sandale en cuir, pour capable jouer une bonne huile mascretti dans le numéro ça, 514-975-7247, 514-975-7247. N'a encouragé nous tout pour nous suivre Jenny parce que le travail que l'a fait et sur les réseaux sociaux, l'a éduqué mon surtout dans la santé, sous Haïti en action. Haïti A-Y-I-T-I en action E-N A-C-T-I-O-N. A sur Jenny sous Haïti en action. Et bien justement, ma propre nous, si nous avons un business, nous voulons staff là, ben nous faire promotion pour nous, contactez-nous sur 44-66-00-41, 44-66-00-41. Dans cette émission, l'Évangile Développement, nous avons des versets forts que nous remettons pour nous, pour nous capables d'encourager nous pour nous apprendre. En nous regardant Osée 4, verset 6, qui ça lui dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je rappelle encore une fois que la connaissance donne la vie. La connaissance libère, la connaissance divine. C'est même bien tout. L'ignorance est mortelle. L'ignorance esclavagise. L'ignorance rend esclave. L'ignorance est satanique. L'ignorance est diabolique. Ça veut dire que l'ignorance n'est pas une vertu. L'ignorance n'est pas une qualité. Deuxième verset que nous remet li pour Frère Action nou yo, et en pile monde qui contacte moi qui toujours félicite moi apôtre Corné verset ça et Proverbe 6 verset 6 là
côté va encourager nous même haïtiens qui chrétiens pour ne pas seulement rester là prier seulement pour nous capable travailler pour nous capable prendre initiative parce que la Bible fait promotion pour le travail. Lors regarde dans Proverbe 6 verset 6, il dit ou même paraissait al prendre les sons dans mes fourmiyo aller ouais j'ai à vivre pour mieux comprendre la vie. Ça veut dire que fourmi en tant que Dieu travailleur, c'est pour hasard que la Bible voit al prendre les sons dans mes fourmi. Fourmi travaille dur, il travaille en équipe, il travaille avec intelligence. Soumettre ça en pratique pour faire succès. Et nous avons trois initiatives que nous lançons dans cette émission l'Évangile développement. Et il y a des pasteurs, il y a des collègues pasteurs, il y a des frères et sœurs qui rentrent dans l'initiative avec nous et nous disent gloire à Dieu. Première initiative là, c'est l'évangélisation par l'alphabétisation. C'est côté n'a pas encouragé toute l'église pour faire en sorte que pour être capable mettre un programme d'alphabétisation dans l'église. Depuis ce monde qui dans l'église pas connait pour apprendre nous lire, m'a toujours dit ça, si gon frère action qui fait qui gagne 15 ans dans l'église et puis converti, l'elle te converti, elle pas connait pour après 15 ans toujours pas connait, c'est que l'église a pas aidé l'améliorer ville. Ça veut dire que c'est important pour nous mettre un programme d'alphabétisation pour nous aider frère action à apprendre à écrire. Et même monde tout qui dans quartier son monde qui pas converti qui est intéressé pour venir en un programme d'alphabétisation ça invité pour capable prendre li avec pour ça parce que vous faites deux cabesses non seulement l'on apprendre li avec non seulement on va montrer li avec lui ou bal ou faire alphabétisation avec mais on tout profiter pour bal l'évangile ça veut dire que vous avez possibilité de faire deux cabesses li apprendre li et l'apprendre li tout bal l'évangile. Et m'a rappelé nous encore une fois les monde qu'on lit le service bon Dieu publié parce que ça permet que le capable lire Bible, ça permet que le capable lire prendre le chant pour capable chanter et gloire à bon Dieu pour capable prendre le chant que ce soit hymne et louange que ce soit tout chant d'espérance etc. Deuxième initiative là c'est côté n'a pas encouragé chaque frère action qui est dans l'église pour être capable faire un bagage qui très simple pour être capable planter au moins un pied bois chaque année. Je rappelle nous encore une fois, si toute tête de monde pays d'Haïti est calée, ce n'est pas Jésus, bon Dieu, qui calé de monde comme ça. C'est nous-mêmes Haïtiens qui responsables si de monde comme ça. Ça veut dire que si ce n'est pas Jésus, bon Dieu, qui te déboise le pays, ce n'est pas attendre que c'est Jésus, bon Dieu, qui va déboiser le pays. C'est nous-mêmes Haïtiens qui prenons responsabilité. Nous-mêmes chrétiens, on a planté au moins un pied bois chaque année dans le pays. Surtout planté à fruitier, à qui va manger. T'as coupé mango, t'as coupé zaboka, ou quantité de bagages. Depuis ces pieds bois qui va manger, planté. Et m'a rappelé nous encore une fois, mes amis, si chaque frère action, chaque monde qui dit que c'est chrétien, c'est bon Dieu, c'est Christ, est planté au moins un pied bois dans le pays chaque année, pays d'Haïti, c'est tout nos jardins d'Éden. Troisième initiative là qui s'allie, c'est côté n'a pas encouragé toute l'église. Depuis l'église a pas gagné l'école, ça pour nous faire aménager espace dans l'église à la semaine. Mettons l'école primaire pour tout le monde qui n'a pas de moyens, pas de moyens pour voir l'école, pour qu'on nous côté pour qu'on vienne prendre de l'instruction. Trois initiatives, c'est première initiative là, c'est l'évangélisation par l'alphabétisation. Après, nous avons écrit dans l'église, nous qui pas connu l'avec. Deuxième initiative là, c'est chaque monde l'église a planté au moins au pied bois chaque année, surtout à Foutier. Troisième initiative là, l'église qui n'a pas l'école, pour aménager l'espace l'église à la semaine pour être capable faire au moins une école primaire. En nous liant ensemble avec moi, verset ça qui servit de support dans cette émission aujourd'hui, c'est Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez, Jean 8, verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et version créole a dit n'a connaît vérité, laisse la vérité à va, ben nous liberté nous. C'est important. Jean 8, verset 32, version que la dit, n'a connaît vérité, laisse la vérité avant ben nos libertés. Eh bien, pour nous capables de finir la émission, nous prenons le liste châtiment que les que nous n'avons pas de travail, les que nous n'avons pas de accepter la situation d'esclavage, de que nous avons bail au châtiment. Eh bien, bon, citez-nous quelques châtiments avant de finir. Premier châtiment, numéro 1, qui ça veut dire qu'on fait? Yo te kon mette yon muzo nan bouche esclave la, nan bouche janset moun yo, pou li pa manje pendant plusieurs jours. Wa, imagine ou fon ou fè demi-journée ou pa manje, gaz gen tan pare ou, jan senti ou, jan senti ou feb. Wa, imagine ou ke pou yo kapab puni esclave la pou fè l pa manje, yo mette yon muzo nan bouche li pendant plusieurs jours. Ouais, pou kounya la, se nan bouche chen, yo te kon yo mette muzo, mais à l'époque esclavage. C'est dans bouche ancêtre nous yo yo te kon mettre muzo ta ko te kon mettre dans muzo dans bouche chien n'a continue toujours
Et yo te kon marre un code nan main gauche, nan main droite, nan pied gauche, nan pied droite, zansèt nou yo, lè ki te esklav yo. Et puis, ça yo te fè yo, yo te pren un cheval, yo marre nan chaque code sa yo, et puis, yo fè un bruit, yo frappe kach la pèl. Et puis, même moment sa cheval la, pren kouri tout, chaque fois un bon, et chaque fois un bon dans 4 points cardinaux, et puis, ou wè kon façon pou kapab chire tout membre esklav la. Troisième punition que yo te kon ba zansèt nou yo, yo te kon, c'est ça le tam soutre le taille ya, yo te kon bat esclave en fait qui te gen ti fè, et qui te gen ti fè la dan. Ça veut dire que ti fè, point ti mo so tol, ti mo so clou, et puis chaque coup de fouet, c'est sang qui pisse sous kon. Et lè fin bime esclave la, fin bal plusieurs centaines de coup de fouet, ki sa te kon fè, yo te kon pou un liquide qui gen piment, sel, citron là d'ailleurs ben esclave là. Vous imaginez au fin battre bien battre pour y prendre piment sel piment sel citron pour y ben en avec. Vous imaginez dans qui souffrance dans cette nous était connu. N'a continuer toujours. Son façon pour m'expliquer nous que l'esclavage pas tous et gain des fois tout gain frère Maxime qui a dit oh haïtien pour indépendance, Haïti pour indépendance c'est trois bonheur. Moi si on haïtien dit Haïti pour indépendance c'est trois bonheur, c'est parce que nous que c'est ignorant, c'est parce que on n'a pas de connu ça que esclave. Là qui fait dire ça. Et justement, c'est une façon capable expliquer donc qui ça que esclave. Quatrièmement, yo te comprend ancêtre là esclave là, j'étais tout vivant en fou. Tout vivant, yo j'étais l'enfoi. Et yo te connu même fait ça en l'autre bagarre tout. On va pour esclave là, yo mari deux mêl en branche bois et puis yo li mon gros boucan di fait en bas piel, en bas pour cuit en bas. N'a continue toujours. Cinquièmement, yo te kon mari esclave là, même gens ou est que yo te kon prend et yo mari esclave là tant qu'un bout de barbecue et puis a virer. Et puis yo met un petit et met di fait en bas avant qu'il pas virer comme ça pour une façon pour yo cuit li. Son façon pour montrer qui tout mari te kon fait passer. Gen yon malandrin, excusez-moi, mais c'est malandrin lié. Lié le karade, un blanc français esclavagiste. Karade ça, malandrin ça, sanguiné ça. Li te tellement méchant. Ouè koun y a l'op fè fête, ki sa fè? Koun y a l'op fè fête, ou pren feu d'artifice, et puis feu d'artifice a éclaté. À l'époque, pour monsieur te ka montre le méchant ça te fait l'invite zan milio l'on esclave font bagarre que le pas remet li prend esclave là li mette ça rele et pou da canon dans vote li et puis après ça li monte du feu li met un petit mèche et puis dans des esclave là et puis li met un petit du feu là depuis ou esclave là éclaté popo trip volon l'autre bord ke volon l'autre bord poumon levon l'autre bord et pour ouais sanguinaire y a bat bravo pour carade pour monter chez carade méchant l'aurait le carade l'homme méchant sentir content et ça fait tout côté y aurait le carade ça là et dans l'ouest ça là yo t'a supposé retirer non ça pour ballon l'autre non parce que son insulte à ancêtre pour reler essayer de côté dans pays ça pour ballon pour ton nom ou non esclavagiste français qui aurait le carade son sanguinaire son malandrin son méchanté. N'a continue nous presque fini. Septièmement, yo t'a connu pour esclave là. Yo te kon bayen tout vivant avec blocan ka bouy. Soit yo pren blocan nan vide sou li ou soit yo pren vide nan blocan nan tout vivant bouy. Et huitièmement, yo te kon pren blocan esclave la yo fanni et puis yo pren gres chaud pendant gres chaud bouy et puis a vide gres chaud en dan vant li pendant yo fanni et puis ou gres sa li même la fri tout en dan et puis pendant tout vivant la vive misère ça. Et puis ou gagnen par exemple, yo te kon fè yo kon rache tout dan esclave la. Et puis yo rache zoreli pendant il vient racher tout dans Jean Civil absent yo rache deux zoreli yo fait manger zoreli n'a continuer toujours yo te connait pour esclave noir yo te connait moulin li et tout vivant dans moulin yo qui ça te connait faire yo te connait pour esclave noir tout yo chercher côté qui gon gros niche fourmi yo fait le fouiller propre tout et puis yo enterrer tout vivant et puis seul un bout tête apparaître yo prend sirocan yo vide sous tête et puis fourmi vient manger fumi manger dans oreille fumi manger dans cervelle et fumi rentrer dans toute nelle fumi rentrer dans toute oreille li manger jouk te esclave a fin mourir m konnen sa m'a dit ça yo là ka traumatiser ça m'a dit yo là li on ti gens et gen pile violence mais c'est ça yo te kon faire ancêtre nou yo n'a continuer toujours yo te ki ça te kon faire mesdames yo te kon prendre essayer de faire chaud
faire mettre dans du feu, yo fouer dans tête mesdames yo, et donc même prendre faire chaud ça, excusez ça me dire pour yo fourer dans boubou de mesdames yo. Pour jusqu'à ce que yo tuer. Et puis gon l'autre bagaille pour nous finir dans ça, te conversation cette tout. Yo te faire plus oui. Mais justement nous bon quelque. Ça te qu'on fait, yo te qu'on prend mari au soir, petit garçon et une fille esclave, yo forcer le chita et puis pendant que colon prend une manchette, la couper, l'arracher mari au soir, petit garçon, femme ça qui esclave là, même gens ouais dans l'abattoir un boucher a couper toute viande un bœuf un cabrit etc. Son façon pour moi montrer nous moi ben une idée de qui ça qui était esclavage là. C'est parce que les ancêtres n'ont pas capable encore qui fait yo dire face des centaines d'années à passer misère comme ça yo dit mes amis yo pas capable encore yo décidé à le font chita parler dans bois caïman pour yo prendre destin en main et puis yo sortir en bas l'esclavage. L'esclavage qui est considéré comme un crime contre l'humanité. Mais rappelez nous encore une fois que bois caïman c'est pas pour le plaisir yo te fait mais c'est parce que pas capable encore qui fait le faire bois caïman. Et m'a rappelé nous tout que bois caïman pas gain aucun rapport avec diable. Non, c'est pas vrai. C'est la France avec l'église catholique qui vernit et bois caïman. Comme ça tout nous comprendre, pas oublier tout petit livre histoire ti haïtien étudié, c'est le FICCE. FICCE signifie frère de l'instruction chrétienne, c'est l'église catholique qui prépare les encore. Pas attendre que l'église catholique parle bon vérité sous esclavage là. Sous vérité sous esclavage, sous vraie histoire. M'a dit nous bois caïman te permettre que tout le monde connaît que toute petite bon Dieu libre, toute petite bon Dieu gain même valeur, toute petite bon Dieu tout monde c'est monde. En résumé pour nous finir avec émission ça, m'a dit nous ça. Bois caïman en soi, il pas de gain rapport avec diable mais c'est parce que nous te fait bois caïman contre l'église catholique, contre la France, ils ont décidé parler le mal, ils ont décidé diaboliser. Et m'a rappelé non pas gain qu'un rapport avec diable. Et je dis à là moi pour nous capable comprendre nous bon idée de qui ça qui bois caïman parce que le 14 août c'est pas rappelo moment ça que nous t'as faire contre ça dans bois caïman. Et dans la prochaine émission que je vais faire, je vais parler de plus comment ça s'est passé. Mais je voulais permettre de comprendre qui c'est l'esclavage en vain. Pour avoir une idée de l'esclavage, là, pour capable comprendre pour qui ça. C'est parce que les ancêtres n'ont pas de capable encore qui fait qu'ils ont décidé à faire bois caïba. Je vais rappeler encore, pas tant que c'est colon que nous avons fait bois caïba contre lui, pas attendre que c'est lui qui parle de vérité sur l'esclavage. C'est pour ça, toute étape dans l'histoire, nous, où est la France, l'église catholique, qui a diabolisé, qui a dit que c'est diable, qui a dit que c'est bagaille diable, qui a fait pourtant mentir. Bouakaïman n'a pas fait bagaille diable. Pourtant, sans Bouakaïman, nous avons fait Bouakaïman, nous rencontre ça, nous planifié pour être capable de faire le monde connaître que tout petit bon Dieu a même valeur. Tout petit bon Dieu, peu importe couleur, il y a tout ce monde. Et nous avons dit merci ancêtres nous pour ça, nous avons dit bon Dieu, merci pour ça. Je vous rappelle encore une fois que l'émission L'Évangile Développement, il est là pour lui former mon spirituellement, il est là pour lui former mon intellectuellement, il est là pour former mon civiquement. Je vous rappelle que c'est vrai que nous sommes haïtiens, nous sommes chrétiens, il faut nous servir bon Dieu, il faut nous suivre Christ, mais il faut nous impliquer dans la communauté. Si actuellement la paix est en état, c'est parce que premièrement nous ignorons l'histoire, et deuxièmement tout, nous manquons d'impliquer dans la communauté. Et si on a des questions, des suggestions, des demandes de prière, si on veut supporter l'émission ça économiquement, si il y a une entreprise, il y a un staff émission en bas visibilité pour capable augmenter le chiffre d'affaires, contactez-nous sur 44-66-00-41, 44-66-00-41. Je vous rappelle encore une fois que moi-même, bon Dieu bénis nous, à la prochaine, merci à tous.